Et bien le bonsoir à tous. Je viens de voir, elle raccompagne l'abeille à sa maison, exactement. Non, surtout j'étais en train de me dire, waouh, mais pourquoi il fait aussi jaune et tout ça? Parce que là d'un coup je me suis dit, waouh, la lumière elle est super jaune. Et je comprenais pas. Et ça m'a fait bugger pendant bien 5 minutes. Et du coup, c'est ça, exactement, Dardis, le sable du Sahara. Et je me suis rappelé que c'est le filtre du Mexique. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment filtre Mexique, comme sur Instagram, carrément. C'est... et c'est vrai, je me souviens de l'avoir entendu à la radio, mais c'était il y a fort longtemps. Et je me suis dit, non, mais ça arrivera jamais chez moi. Ça fait combien de temps que tu as pas regardé par la fenêtre? Parce que c'était pas jaune comme ça chez moi avant. Ah, tu vois, chez Yuka, c'est pas jaune non plus. Ou un western. Oh, trop bien. Le bon, la brute et Cavélis. Évidemment. Ça me va bien, le côté truand, j'aime bien. Je n'ai plus de lave-glace. J'avais l'impression d'être dans Fury Road tout à l'heure. Ah, en vrai, tellement bien. Tellement bien ce film. Et voilà, j'ai envie de le voir. De nouveau. Quelqu'un d'ailleurs l'a vu en noir et blanc. Alors je sais, ça paraît bizarre et tout, mais je sais que moi j'étais allée, c'est un des rares films que je suis allée voir au cinéma. Et j'avais trouvé excellent le traitement des couleurs et des lumières. Mais en noir et blanc, ça doit être bizarre. Quand même. Parce que ça perd un peu, je pense. Enfin bon. Le bon, la brute et... Yuka Maneya Camélis, aïe aïe aïe. Ouais, j'ai vu que t'avais drop un clip, Yuka, mais j'ai pas vu c'était quoi. Être friendly. Ouais, alors, je pense que c'est quelque chose qui est à ma charge. Genre, en mode, non, mais c'est pour me faire paraître plus mauvaise que je ne le suis. Évidemment. Sans couleur, sans parole, sans image aussi, non? Non, une rouge dans un canon. Maneya, c'est très bien de quoi on parle, d'accord. Tu en redemandes? Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Deto Sarkat, exactement. Anguille sous roche, évidemment. Tu sais, map de désert, tout ça. Ah! Ah! Ok. Bonsoir à tous. Maintenant que j'ai ramené l'abeille à sa maison, je peux dire bonjour à Yuka. Bonjour Yuka, bonjour Dardis. Attendez. Salut Maxime, salut Exo. Salut Knight, salut Maneya. Salut Frozen, salut Skunks, je sais plus si je l'ai dit. Je vois qu'on a dépensé en tout cas des croque-monsieur, ça fait plaisir. Ah voilà, je comprends mieux pourquoi il y avait une emote Resident Sleeper. Je comprenais pas pourquoi il avait été drop après le magnifique clip. Mais je crois que c'était pour répondre à Maneya. J'avais pas vu. Alors du coup, ok. Et je crois qu'il n'y a pas Astro 4 que j'ai loupé ou... Ah si, Astro 4, j'avais loupé, c'est bien ce qui me semblait, je l'ai vu. J'étais encore en train d'accompagner l'abeille. Sachez que j'ai déglingué les collègues sur Mario Kart, let's go. Et du coup, est-ce que, à la fin du tournoi dans ton entreprise, Knight, est-ce que tu peux récupérer la Switch? Comme ça, tu viens jouer avec nous le mercredi. Voilà. Je pense que c'est bien, tu fais un tournoi comme ça. Vous mettez en jeu une Switch, et c'est bien. Hein. Et franchement, moi je pense que c'est bien. Ça fait une bonne cohésion d'équipe. Après, tout le monde se déteste, mais tu gagnes la Switch à la fin, tu sais. Bah ouais, dis-leur que tu l'as gagnée. C'est bon, tu l'as mérité, tu sais. Tout le monde peut se dire que oui, au moins, voilà. Oui, mais je t'avais vu, Mona. Mais du coup, j'ai répondu au message. Mais bonjour, Mona. Bonjour. Bonsoir, même. Tu as raison de le dire en majuscule. Le gagnant part avec la console. T'as cru qu'il jouait au Pog? Bah, pourquoi pas. Franchement,
n'y avait pas de règles du jeu, moi je propose d'en créer comme ça, voilà, je sais pas, moi je trouvais que c'était une bonne idée. Et par contre, t'as cru qu'il jouait au POG, waouh. Waouh, le POG d'un coup, au moment où je l'ai lu, j'ai eu un flashback, je me suis sentie très très vieille. Désolée, Camillis ne parle pas au non-sub. Aïe, aïe, aïe. Comment ça dépend mes propos? Non, j'ai juste répondu. J'allais lui dire juste après, en plus, bonjour. Mais bon, on est en train de me faire un procès, là. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Comme ça, transition dégueu. Et voilà. Bon, donc là, on arrive vraiment sur la fin de Resident Evil 3. Je pense que ce sera un petit stream du coup, parce que j'ai pas prévu un jeu. Oh ya ya, mais Frozen qui offre un sub à Mona du coup. Mais c'est trop gentil, merci beaucoup Frozen. Merci beaucoup. C'est très 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 gentil. Aïe aïe aïe. Comme ça, pas de discrimination. Ah, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de discrimination. Évidemment, peu importe qu'on soit sub ou pas. Voilà, évidemment. Il n'y a pas de, d'obligation. Hein. Encore devancé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ha, 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 ha. La honte, les non-sub. Aïe, aïe, aïe. Allez, donc du coup... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais je disais, voilà, petit stream, sans doute. Voilà, je pense qu'on s'arrêtera là. Parce que, voilà. Hop. Et salut Alain. Salut, salut. Hop là. C'est quoi ça? Retour de flamme. Comment ça? Je sais pas ce que je débloque à chaque fois, j'ai l'impression que... Wow. Eh, hey, merci beaucoup Dardis pour le gifted à Alain. Aïe aïe aïe, merci beaucoup. Aïe aïe aïe, vous faites trop plaisir. C'est très gentil. Ouais. Non, aïe aïe aïe. Du coup, ah bah eh, franchement, Exo qui offre aussi un petit sub gift là. Allez, merci beaucoup. Vous êtes tous friendly. Aïe, aïe, aïe. Bah, tout le monde est toujours friendly, hein, Maneya. Ah, merci beaucoup pour les 100 bits, Knight. C'est très gentil à toi. Non, il m'a pas gifté un sub à moi-même. Moi, j'ai fait que dalle. Bon, merci. C'était pas évident, j'avoue. T'as porté justice et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Tiens, arrête de dodge, toi. Tout seul. Merci beaucoup, Yuka, pour le, attends, le gift à Maxime. Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Alors, merci laisse beaucoup, Exo. Mais franchement, on est bien, là. Moi aussi. On est bien. Voilà. Merci beaucoup pour le train de la hype. Et pour les gifts, c'est très gentil, mais... Perdu contact avec ça Carl. Ira très bien, merci pour beaucoup. Toi, non, Yuka, ma légende de Dodger. Aïe, aïe, aïe. Donc, hop là. Je voulais voir si Maxime allait dodge. Aïe, aïe, aïe. J'ai déclenché la bagarre des subgifts. Alors, maintenant, notre rôle est de retrouver Carlos. On vient de là, je crois, c'est ça. Hein. Oui. On va essayer de le retrouver en un seul morceau, évidemment. Pour rappel, on a des créatures bizarres qui traînent. Hein. Carlos avec sa chemise à fleurs. Non. Non, par contre, on a vu qu'il avait de jolis... comment? Jolis mods.
Bon, il y a toujours des modes un peu bizarres sur les jeux. Oh non. Non, mais je suis nulle. Je tire à côté. Où il était justement habillé super stylé avec une chemise, un veston et tout ça. Trop stylé. Mais non. Carlos, big bisou, c'est pas ici. Et voilà, maintenant je l'ai dans la tête. Oh, merci beaucoup, Frozen. C'est trop gentil. Pour le... Ah, pardon, pour le gift Astrocat. Aïe, 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 merci beaucoup. Y a pas de raison pour Astrocat, aïe, aïe, aïe. On n'avait pas genre une petite lampe torche à une époque genre. Est-ce que on va combiner hein. Bon, je pense qu'on peut encore faire un petit peu sans mourir là. Retenez-le bien. Quand je vais mourir. Donnez-moi un truc bien. Oh, c'est des munitions de magnum. Ça tombe bien, j'ai pas de magnum. Trop bien. Ah, bah attends. C'est ouvrable? Mais c'est ouvrable. Pourquoi il y a un cadenas ici avant? Il n'y avait pas d'ailleurs. Oh, attendez. Attendez, attendez. Faut que je réfléchisse. Je vais faire ça. On n'avait pas un conteneur là? Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je vois rien. Pour déposer quelque chose, non? Non? Et là, vraiment, il n'y a pas un truc? Bon. Bah si, mais vous voyez, vous? Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien trouvé, hein. Eh mais il y a plein de pièces qui s'ouvrent, c'est mieux que vampire. Faut tirer pour faire ouais, pour faire de la lumière, ouais, 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 bien sûr. Attendez, là, je suis à genre 2 cm de mon écran pour voir. Là, il y a une machine à écrire. Ah, c'est là. Ah ouais, mais on voit rien vraiment, elle fait pas d'effort. Hein. Alors, je peux me soigner. Je vais déposer les magnums parce que pour l'instant, vraiment, on n'a pas besoin. Niveau munitions, on n'est pas trop mal, ça va. Par contre, il va falloir faire un choix là. Pourquoi j'ai ça? On a des stats. Tir élevé permet d'infliger rapidement d'importants dégâts. Et ça. Pourquoi on n'a pas les stats? Je l'ai trouvé où lui? J'en ai aucune idée. Mais vas-y. Je vais te déposer ça, non? Je vais l'équiper, lui, non? Voilà. Ah, bah. Bah, je peux pas l'équiper? Attends. Ah, si, équiper. Ouais, mais je peux pas l'équiper vraiment. Il est pas en haut. Bah. Attendez, attendez, attendez. Me perdre dans mes menus, j'arrive. Bah. Attendez. Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Équipé. Ah, raccourci, pardon. Ça va, c'est bon. Ça va. Ça va. Bon, on va se soigner. Et on va reprendre un soin. Et puis, bon, bah, on verra. Non. C'était pas évident, hein. Au secours! Au secours de fou! Je pêche des légendaires! Comment ça, tu. Des poissons légendaires? Il y a des poissons légendaires sur FF? Oui, je re-sauvegarde. Totalement. Attendez! Oh, je viens d'apprendre qu'on peut faire le.
Waouh, le 360 noscope. C'est que maintenant que j'apprends qu'on peut faire le... ça. Que j'utiliserai jamais. Eh hey, 180, non, regarde, 360 là. Franchement, 360. J'espère que vous avez bien le mal de mer maintenant. Pardon, Dardus. Je suis désolée, mais c'était trop tentant. Et même moi, en fait, ça m'a donné mal à l'œil. on rigole, mais voilà, ça m'apprendra. Hein, voilà. Je suis obligée de mettre mes lunettes parce qu'en vrai, il y a des à-coups. Non, mais mon 360. Non, mais regarde. Hop, 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 hop. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Chez Karma. Ah bah là, ouais. Mais sauf que c'est pas très bien. Mes yeux, j'en ai besoin un peu. Bon, attendez. On n'est pas allé par là. Donc on a... Non, non, ça doit être un truc ok ici. Il y en a 206. Des poissons légendaires. Ah bah, ça te fait du contenu, c'est bien. C'est sûr que ça a pas l'air très très engageant dit comme ça. Par contre, on entend des bruits chelous, non? Oh ouais, non mais je commence à faire des trucs. Attends, il a dit qu'il fallait... Attendez. Il a dit oui, il est dans le sous-sol. Donc c'est le vrai bon chemin, donc je vais aller dans l'autre sens. Alors oui. Ça avait pas l'air d'être très logique. Mais il faut que j'aille là, donc. Vu que ça, c'est le vrai sens du jeu. Et voilà, là, je suis obligée d'enlever mes lunettes, voilà. Par contre, il y a des méchants trucs. Ici. Parce qu'on avait plein de cadenas à ouvrir. Je me souviens, mais je sais plus où c'était. Ah, lui, il est toujours mort. Ah, par contre, je peux pas viser, c'est bizarre. Ça, ah, c'est l'œuvre de Nikolai. Ah, c'est cool ça. Ça, ça s'ouvre ou pas? Ouais, y a pas de nouveau truc? Non, ok, c'est pas grave. J'espère que. Oh non! Est-ce qu'on peut déser. Non, j'imagine que chaque arme a ses. Ces modules, je sais pas. T'as su que voilà. Oh non. La porte. Ah non. Non. Meurs non. Et toi là. Tout va bien. J'ai absolument utilisé toutes mes munitions. Ah. Bon. J'espère que c'est rentable. J'ai des doutes. Ouais, semi-rentable. En vrai, ça va. Quand tu veux aller chercher des poissons rares, c'est qu'il te faut un appât par poisson. Du coup, j'ai la moitié de mon inventaire rempli d'appâts différents. Un plaisir. Oh, aïe, aïe. Après, pas obligé de le faire, hein, ce truc. Attends, ça a l'air d'être pas forcément très fun. Et tu gagnes quoi à faire? T'as un haut fait, j'imagine. Oh, ils te doivent au moins ça. Quand même. Une monture poisson. Vraiment, je suis pas sûre de la rentabilité du mouvement là. Hein. Plusieurs au fait. Bon. Avec une monture? Mais pas de monture. Ah là là. Un peu radin. Quand même. Alors. Ah, c'est que d'un côté?
Quelqu'un s'y connaît en pièces auto, j'aurais besoin d'une info. Oh Alors, je pourrais être tout à fait honnête, je sais pas. Perso, ça dépend quoi, ouais, ouais, c'est ça, c'est... Je peux te dire où est le moteur. Eh, ça c'est quand même pas... C'est pas rien ça, Yuka, quand même. Wouah, une boîte automatique. Wouah. En vrai... Cher. Franchement, cher. Ouais, 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 ouais. C'est très cher. Pour fa... En plus, j'imagine pour faire un changement. Ou alors... Enfin, oui. Alors, soit c'est... Oui, bah oui, forcément pour faire un changement débile. Oui, c'est vrai. Ouais, mais j'avais une autre idée dans ma tête, changement. Genre, passer de l'un à l'autre, mais c'est trop compliqué en vrai. Genre, ouais. Ouais, voilà. Hein. Ça sera moins cher de changer de voiture, c'est ce que... Ouais. Ouais. Il y a des chances. Effectivement. Après, j'imagine que selon le modèle de la voiture... Le fait que ça soit plus ou moins répandu, il y a moyen de trouver dans, dans des casses peut-être. Mais... Ouais, c'est censé faire du... Eh bien, bon lurk à toi, Knight. Celle de mon frère rendue l'âme. Aïe, aïe, aïe. Ah, en vrai, de vrai... compliqué, hein. Bien bonne, bonne fin de soirée à toi, Astrocat. Bon courage pour le taxi. Peut-être à toutes. Hein. Bon, on va l'esquiver lui parce que je suis en train d'utiliser toutes mes munitions en fait. Pour pas grand chose, pour être particulièrement honnête avec vous. Bon, est-ce qu'on a fait tout là? Ah, il y a encore là un cadenas. Attendez, je suis passée devant mais je l'ai pas vu. Je vais me soigner, je crois. Hein. Ouais, je crois. Hein. Ça tombe pas très 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 bien. Mais bon. Alors la buanderie, comment on y va? Par rapport à là, on est où? Attendez. J'ai regardé ma map mais je l'ai pas. Non, bah non, bah pouf, allez. Allez, hop, ça. Hop là. Non, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, on a dit. Oh là là, elle abuse. Pourquoi elle a pas ouvert la porte en fait? J'ai spammé pour que ça ouvre. Hein. Oh là là, elle a abusé. Ouah, ils abusent tous. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Peux-tu tuer des zombies pour moi? Bah en fait, là je suis en train de me dire que j'aimerais bien économiser mes munitions. Et je pense que je vais même esquiver le cadenas qui est ici et retourner où je dois aller. Voilà, c'est toute simplicité, revenir sur mes pas. Et puis bah dire tant pis, hein, voilà. C'est pas rentable ce que je fais. Donc faut penser rentabilité des mouvements.
On aura quand même récupéré quasiment l'entièreté des cadenas. C'est ici. Parce que là, vraiment, je me sens arnaquée. Hein. Ça m'avait vendu du rêve. Enfin, personne ne m'avait dit que j'allais avoir des trucs super bien dans les casiers et tout ça. Mais il y avait une partie de moi qui me disait que quand même, on pouvait peut-être faire quelque chose de bien. Mais non. En tout cas, pas jouer dans le vide, là. Eh ? Attendez ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Vous voyez, on voit, tout le monde voit. Oh non ! Faut que je trouve... Faut que je saute de la fenêtre. Si. Oh non. Non. Non mais ça sent... On sait tous très bien ce que ça veut dire. C'est dans une boîte. Enfin c'est dans une valise. Ça veut dire amélioration. D'armes. Ça avait une vieille amélioration pour le fusil à pompe. On le sait tous. Mais je me dois de le faire. Même si... Ah, le magnum en vrai! C'est pas faux! Ouais, mais le magnum, je suis grave pas bien parce que j'ai 4 munitions! Ce qui est, on va pas se mentir, pas ouf! Pas ouf, pas ouf! Alors, je veux bien le récupérer. Mais j'ai même pas de quoi craft, donc bon. Pour la collection, quoi. Alors, le problème, attendez. Il me semble que le trou de la machin est là. Ouais. Alors attends. Je suis pas responsable. Là, ça se dédouane très très vite, je trouve quand même. Hein. Non, mais je suis pas responsable. Hein. C'est pas moi. Hein. Je t'ai pas dit d'y aller. Hein. Je t'ai pas dit qu'il y avait un magnum. Mais j'ai laissé entendre que peut-être. Hop. Oh là, 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 là. Cours, saute. Yes. Il va pas me suivre. Hop là. Ok. Bon, par contre, je fais comment? Voilà, attends. Et je me suis encore trompée, je crois. Je peux là? Attends, non, comme ça. Genre. Là? Mais pourquoi ça marche pas? Oh non, je vais devoir le refaire. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas? Il y a deux trous de... Oh, deux vitres. Oh non, il y en a deux. Oh, attendez, il faut que je vois par rapport à où je suis. Ok. Oh, il y a deux trous de vitres. Oh là là, j'avais pas vu. Pauvre Skunks. Mais ceci étant, ça me dit pas comment je vais de ce côté là. Oh, je suis désolée hein. Je te récupère, Skunks. Ah, quand même. Tu es pur, gentil, innocent et friendly. Ah. Bah non, mais en fait... j'ai encore perdu de la vie pour rien. Ça dégoûte. Bon, maintenant, il faut juste que je trouve l'endroit où je dois aller. Ah, je crois que c'est... Comment on y va, là? Là, comme ça, je crois. Non, pas du tout. J'ai inventé. Je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je fais. C'est officiel. Je me suis dit qu'il y avait un chemin, mais je ne sais pas comment on y va en fait. Tout simplement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Bien sûr, à chaque fois que je dis je ne comprends pas, je plisse les yeux et vraiment, je vois la tête du perso. Hein. Je sais pas où c'est là. Non, c'est là où je suis tombée la première fois, je crois. J'étais là tout à l'heure, non? Ah, je sais pas où je suis. Et salut Tibarbe, je passe pour faire un coucou et des zoubis. Et bah bonne soirée, bon lurk à toi. Merci de passer faire un petit coucou. Hein. Ouais, alors c'est vrai que BTTTV, TTTTV, pardon. Non, parce que je le ferai toujours. Sur tablette, ça marche pas non plus. Non, bah comme sur mon téléphone. Moi, je vois pas le... vos emotes. Sur téléphone, je le vois pas non plus. Elle peut pas s'accroupir là ? Pouvoir passer. J'ai envie de me taper la tête par terre. Ah bah super ! Ça c'était un atterrissage en douceur. Ah bah. Regardez-moi ça. Eh. Tiens, tiens, tiens. Bon, c'était pas rentable. Parfait pour coller des migraines. Pas du tout rentable, mais c'est pas grave. On l'aura récupéré au moins. Y'a pas une sortie là ? Sur Firefox, ouais, il est dispo. BTTTV. Bah, c'est vrai que ça peut être un peu long à mettre en place, mais c'est cool. En même temps, maintenant, avec 7TV, oui, parce que là, je vais... T'as l'entièreté de toutes les emotes. Parce que moi, je passe beaucoup par 7TV, par contre. Vu que ça regroupe tout. Oh, j'ai réussi à... Ah! J'étais contente. Oh, j'étais contente, j'avais retrouvé le chemin. Sans galère. Oh là là. Oh, ok, c'est bon. On rigole. Non, non, non. Non, non. Ah non. Menterie de ouf. Non, non. Oh, j'avais fait une super belle esquive et tout. Ah, ça dégoûte. Oh là là, le dodge était incroyable. J'ai dodge et ça a ouvert la porte. Non mais c'était trop bien, je pense que c'était même une technique de speedrun. Vraiment. Qui utilise Firefox? Moi. Moi et Mona apparemment. Ah, et Anna aussi. Bon. Bon, il va falloir qu'on discute maintenant. On est d'accord que mon magnum, on peut le mettre de côté. Hein. Il y a 8 munitions. Ça peut être pas dégueu. Ça peut sauver. Sur un par inadvertance. Par contre... Pourquoi ça s'est pas combiné en fait? Déjà de 1, pourquoi? On sait pas, mais c'est pas grave. Eh, mais attends. Ah non. Vraie question. Est-ce que on ferait pas... Internet Explorer, sinon rien. Perso, c'est Chrome, j'aime donner mes infos et ma RAM. Après, j'ai été de l'école d'opéra pendant longtemps, donc je pense niveau info, je suis pas mal aussi. J'hésite. Au pire, on dépose ça, on dépose ça. Parce que j'hésite à savoir si je crafte des munitions pour pistolet.
ou si je j'attends de voir. Ouais, je vais rester comme ça, je pense. C'est bon, ça marche, Mona? Nice, tu vas pouvoir voir une partie des emotes, pas toutes, mais une bonne partie. Notamment le cake W, hein, le fameux. Ouais, si, ça va venir très vite. Non? Ouais, fuis, t'as raison. Hop là, et peur. Non, vas-y, ouvre la porte, toi. Voilà. Oui, voilà, au moins tu pourras. Le fameux cake W. Le fameux. Alors, attendez. Bon. Attendez, comme ça. Ah, mais c'est bon, on a bientôt fini là, non? On doit fuir, je crois. Ça doit mener sous terre. Oui, c'était un peu le principe. Ah, mais non, mais on a totalement fini en fait là. Ah ouais, là on en a même pas pour 20 minutes. Ah ouais. Non, non, vraiment, on a encore le combat contre l'autre. Ça prend, allez, 20 minutes, comme je dis, hein. Vraiment 20 minutes et c'est fini, hein. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Et salut, Alonuki. Bonsoir, bonsoir. Ah, une plante verte. Nice. Ouais, alors maintenant faut juste que je compte. Ah bah ça. Elle pose une vraie question. Oui. Comment ça se fait que personne... n'ait remarqué tout ça? Et là, une fois de plus... Où est le mec de la mairie qui a autorisé ce permis de construire? Hein? Bon, quand même. Ça passe pas inaperçu. Aïe aïe aïe. Comment va? Bah ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, il y a un mur. Ah ouais, je vois vraiment à 5 mètres. Et toi du coup t'as réussi à finir Remanon? Ah, oh, yes. Ça coche. Ça coche. Oh, ça fait plaisir. Nice. Ça c'est cool. Ça c'est cool. De fou. Donc on peut récupérer ça. On peut récupérer ça. On va combiner ça. Je suis en orange donc ça va. Je peux encore ne pas mourir. Alors. Alors. Maneya, elle veut la peau de tout le monde ce soir. Aïe, aïe, aïe. Alors, à tous les employés, nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Oh là là, Exo, j'ai lu ton jeu de mots là. Je l'ai lu. Et il y a une partie de moi qui dit ah ouais, franchement. Franchement, je pense que c'est un don. McQueen Jackson, yes. 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 Un don, une malédiction, un peu des deux. Steve McQueen aussi. Ah oh, ouais, trop bien. Ah, bien joué. Bien joué, pardon. Ah ouais, Yuka, ça reponce MH de fou. Ah ouais, t'es chaud. Vas-y, c'est cool. T'avais besoin de grandes gemmes mystiques.
Donc tu vas aller les farms, je pense, c'est ça. Bah, amuse-toi bien. Alors, si vous rencontrez ce problème et êtes dans la capacité d'activer l'ascenseur, pas de panique. Prenez les fusibles des générateurs secondaires. Là, j'ai lu fusible. J'ai eu un flashback presque du Vietnam, là. Non, mais il est où le fusible? Situé dans notre pot et utilisez-les pour établir l'alimentation principale au plus vite. Ouais, mais voilà, j'avais pas pris en compte qu'il allait avoir des fusibles à chercher, comme dans Alan Wake 2. Et voilà. Ouais, je vais passer par là plutôt. Flash McQueen, c'est Flash McQueen. C'est le personnage principal du dessin animé Cars. Ah oui, il y a lui aussi. C'est qui lui en fait? Enfin non, alors oui, non, je le connais. Je sais c'est qui, mais... pourquoi il est là? Ah ben... Non! Mais non, mais c'est qui lui? Non, mais alors... Non! C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi il est là? Pourquoi... Pourquoi... En fait, c'est qui? C'était surtout... avec qui il travaille? Le c'est qui est égal à cette grande phrase qui est... Mais... Pour qui il travaille, lui? Pourquoi il est là? Voilà. Le c'est qui, lui, c'était cette traduction-là. Voilà. Par contre, il est stoïque. Hein. Il m'observe. Vous êtes creepy, monsieur. Va faire ça. Ok, bon. Ah! Ah, voilà. Ah! Oui, mais il travaille pour Umbrella, oui, mais non. Tu penses que c'est fini? Il a l'air d'être... de jouer sur plusieurs... tableaux. Outre le fait que... Bah... Faut pas se laisser mourir comme ça. Je dodge. Arrête. Tu veux pas genre mourir en fait? Le type Ah, peut-être qu'il faut faire un truc spécifique parce que là... Non mais vas-y, c'est bon. Quoi? Oh non mais c'est quoi ça? Non mais on peut recommencer? Non mais j'ai utilisé trop de munitions maintenant. Chez. Mais non! C'est de la triche! Au pire, je peux l'ignorer, non? En vrai, on va l'ignorer. Alors attends, le fusible. Ouais, de toute façon, il est là, mais on s'en fout. Depuis tout à l'heure, en fait, je crois que je suis en train de perdre des munitions pour rien. Ah ouais, j'ai large le temps. Ah. Allez. Oh, il va monter avec moi sur la plateforme, on rigole. Oh, ah, tout juste, hein. Oh, vous croyez qu'il peut passer en dessous et on peut le broyer après? Ah, il est malin quand même. Ça aurait été très drôle. J'avoue, même moi, ça m'aurait fait beaucoup rire. Qu'il vienne avec moi, j'aurais vu flou. Ouais, j'aurais abandonné, je me serais laissé mourir, je crois. Vraiment. Même s'il me redonne des munitions, c'est trop tard, hein. C'est perdu, hein.
Le pompe. Non, mais le pompe, on s'en fiche. Ça m'aidera pas, là. Par contre, effectivement, l'autre, il a pas bougé, hein. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Monsieur, vous avez l'air perdu. Vous avez l'air du père. Oh, attends, attends, attends. Est-ce que je feinte ou pas? En même temps, il n'est pas très très malin. Ah, pardon. C'est ça. Il en manque un? Il est où le dernier? Oh non, il va me suivre en haut, vous croyez? Ah, surtout, je vais m'enfermer là. Attends, c'est quoi? C'est quoi les histoires? Attendez. Ah bah là, ouais. La coulevée, ça va être un peu compliqué. Bah même, même nous, hein, il va nous falloir de la coulevée dans le sens où... ou si on veut faire la Latréon, il va falloir des armes élémentaires, avec la rage élémentaire, parce que sinon, ça va être tendu un peu. Donc je partage ton envie de canneler un peu. Pardon, je reviens. Je sais pas où je dois aller. Pourquoi je trouve pas le deuxième? Attendez, bon, on comprend mieux pourquoi tout à l'heure Skunks disait. Ouais, ouais, un combat de boss de 20 minutes. Pixel Bob. Ouais, parce que je sais pas où je dois aller. Ce qui est un peu problématique. Alors, on peut faire les saphis, mais tu... En fait, ce qui est bien avec la, les armes de coulever, c'est que t'as rage élémentaire, ce qui augmente ton élément de façon innée sur ton arme. Et ça, c'est un peu l'équivalent du set seul argent. Ouais, je suis trop nulle. C'était là. Que t'as avec le rata argent. Où c'est... là, c'est trop force élémentaire, en fait, avec la coulevée. C'est vachement bien. Je sais pas où je vais, je sais pas. Il y a des... Il y a un Dogo, là. Il y a un Dogo, là. Alors, tout va bien. Mais par contre, dans tous les cas, effectivement, il nous faudra poncer le saphir. Hein, si on veut un peu faire... Oh, j'ai plus rien. Si on veut faire un peu dans la triomphe de ces jours. Alors... J'ai tellement couru vite que j'ai même pas regardé. C'est le tout début, ça, non? C'est par où je suis arrivée, non? Pas vraiment, si, peut-être, je sais plus. Ok, ok, bon, on en a pour bien une petite heure, là, je pense. Histoire que je comprenne. Ça a ouvert quoi? Ah! Ça. Ok, c'est pas grave. Attends, lui, on va en profiter pour le tuer peut-être. Non, mais je croyais qu'on était au de la fin. Ça va. Franchement, je pensais, hein. Oh, je l'avais pas vu. Nice! Quoi? Ça tombe bien, je l'utilise jamais. Bon, au moins. Eh bien, bonne fin de soirée à toi, Manéa. Bonne soirée. Prends bien soin de toi et à très vite. Nous, on l'a tué. Ok, ça c'est cool. Ouais, non, à 23h, j'aurais toujours pas fini. Hein. En plus, j'ai dodge les dogos.
Voilà. Parce que je veux pas utiliser mes munitions là. Je sais pas où je vais. J'ai quand même du mal à croire que ça puisse être mieux que les armes Safi en armes de cac. Si elles sont mieux que les armes Safi. Elles sont mieux dans le sens où effectivement, si, où quand t'as besoin de jouer élémentaire, c'est là où t'es le meilleur. Par contre, tout ce qui est. Par contre, ce qui est arme distance, non. La LBG Safi est meilleure. Mais en arme de cac, non. Par contre, les arcs sont meilleurs. Bah sur GS on tape vraiment 0 LM quoi. Non non mais dans tous les cas pour la Latrion tu seras obligé de taper LM hein, c'est pas une option en fait. Tu seras obligé de taper soit feu soit glace. T'as vraiment pas d'autre choix. Ou dragon mais seulement si tu connais le fight. Et que t'as d'autres armes élémentaires qui sont du bon côté pour t'aider. Oh. Y'a pas une histoire qu'on pouvait faire les balles de Magnum? Parce que sinon tu fais zéro dégâts sur la Latrion. Si t'es pas en élémentaire, tu ne sers à rien. C'est vraiment un truc 100%... tu peux pas y échapper. On te demande pas de taper à 8500 hein. Waouh, wow, mais vous êtes beaucoup trop nombreux ici. J'ai plus de place, mais non. Attends. Pardon, j'ai crié, mais... Oh. Attendez, il faut que je regarde. Document. Attends. Centre-ville. C'était quoi? Oh là là, ils avaient dit. Tuto. Utiliser. Ah, combiné, pardon. Attends. Combiner les objets? Ah non, mais ils disent pas. Attendez, faut que je trouve. Faut que je sois sûr. Parce que le supérieur, c'est avec quoi? Oh, je sais plus. C'était le scanning de prendre Cool V vs Safi sur GS, mais Exo a répondu. Look la description de l'item. Ouais mais fusil avec une autre poudre supérieure. Ah. Ouais donc du coup j'en ai pas d'autre. Oh il y en a trois des fusibles. Ouah, mais c'est quoi ces victoires? Bon bah je pense que je finirai jamais le jeu hein. Ça va être trop long de me retrouver là-dedans. Ça va être trop long. Bon.
Bah pour moi dans tous les cas ce serait quand même vachement bien d'avoir. Ouais bon on va faire ça direct. Bon pour l'instant on a encore la possibilité. Ah, c'était pas ça tout à l'heure. On est tous d'accord pour dire que c'était pas ça tout à l'heure. C'était des munitions. Bon, c'est pas plus mal. On fait ça. Il y a les dogos. On se prépare. On va utiliser le pont pour vous faire plaisir. Allez. C'est parti. C'était où la cartouchière déjà? Je sais plus. C'est... Ah mais attends. Attends quoi? On était là tout à l'heure? On est passé par là? On est passé par là mais je suis passée à côté de ça. C'est possible en vrai. Ok. Il y a un dogo ici. Ah laisse-moi t'attaquer par contre petit pote. Attends il est où l'autre? Ah je les ai éclatés. Alors là il y a une plante rouge. Alors maintenant que j'ai plus de plante verte, ça sert plus grand, à grand chose mais c'est pas grave. On va récupérer déjà le. C'est pas une plateforme ça? Je m'embrouille toujours sur. En vrai je vais faire ça plutôt. Non, c'est pas la puissance du pompe, c'est l'inadvertance. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai double verte que j'ai combiné. Un cul-de-sac. Non, peut-être pas. C'est le problème. Non, je crois pas qu'on puisse mettre le troisième. Je crois pas, si. Parce que là on est déjà max hein. Non. Et je crois que c'est possible seulement si c'est verte, rouge, violette. Genre trois différents vraiment. Ah la cartouche elle était pas là? Attendez, je redescends. C'était pas là. C'était totalement là. Ok. Ça. Ok. J'ai plus de place. Ah. Je vais être obligée de me soigner. Ouais. Je peux pas faire autre chose. De toute façon, j'aurais pas assez de place. Heureusement que je dois me soigner parce que. Il me manque encore une place pour récupérer le dernier fusible. Hein. Tendu, hein. Heureusement qu'ils m'ont donné deux emplacements de sacoche avant, quoi. Là, il y avait des mecs, mais je sais pas trop à quoi ça servait d'aller par ici, mais on va y aller quand même. Ouah, ça tanque quand même ça. Ah non. Par contre, lui, s'il y a peut-être moyen qu'il tanque. Ouais, peut-être pas. Oh non, eh oh. Ah, pardon. Alors, note d'un employé. 12 septembre, admis au niveau 2. Homme de 45 ans, femme de 32 ans. Éliminé, homme de 60 ans, femme de 89 ans. Septembre, admis au niveau 2. Homme de 55 ans et 19 ans, femme de 51 ans. Éliminé, femme de 76 ans. Renvoyé, fille de 8 ans, non affectée. 22 septembre, admis au niveau 2. Homme de 25, 22 et 15 ans, femme de 16, 21, 29. Éliminer 6 spécimens masculins, 9 spécimens féminins, tendance à la hausse ces derniers jours.
tout spécimen au-delà de 30 ans est préventivement éliminé. 24 septembre. Transfert de nuit remarqué par une infirmière. Ah, la fameuse. Les admissions au sous-sol sont temporairement suspendues. Non mais genre le méchant il m'a attrapé les pieds. Oui, c'est là, je crois que c'est on avait trouvé le rapport de l'infirmière qui disait ah mais il y a des trucs bizarres qui se passent et tout. Genre je peux pas combiner ça. C'est pas fait naturellement. On peut pas avoir plus que 20. Ouais, c'est pas grave. J'hésite. Bon, on va dire que c'est bien. J'ai déjà sauvegardé, je crois. Mais bon, dans le doute. Passion sauvegarde ici. Oh non. Hein. Non, non. Hop là. Ah ouais, j'ai pas ton temps. Hein. Donc, maintenant faut qu'on trouve. Là il y en a un, par contre on ne sait toujours pas où est le troisième. Hein. On ne sait toujours pas. Par contre on doit se préparer mentalement parce qu'il y a plein de méchants là. Était là. Et salut Andy. Bonsoir, bonsoir. Bon. Là, on sait qu'il y a des méchants. Ouais, mais c'est parce que j'ai des munitions en trop. Ok. Là, par contre, il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, peut-être faire ça, en fait. Attends, si je mets là. Oh, ce strike. Eh. Franchement, rentable, non? Et j'ai plus de place. Oh là là, j'ai plus de place. J'aurais dû déposer ça, j'ai hésité. Je suis dégoûtée. Ah, je suis dégoûtée. Oh là là, pourquoi il y a plein de trucs comme ça là? Non non non, ça sent les embrouilles ça. Oh, attendez, 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 ça sent les embrouilles fort. Attendez, je reviens. Bougez pas les zombies hein. Ah. Ah. Allez hop. Tant pis. Non mais il y a une partie de moi qui me dit que ça mériterait qu'on récupère des trucs là. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Le fusible. Faut quand même que j'aille le récupérer. Bon, c'est pas grave, j'arrive hein. Monstre ne bouge pas hein. Je reviens. Je viens de découvrir des emotes que je connais pas. Ah le monde méconnu des emotes Twitch. Et tellement une infinité. Non, non, oh non. Ça dégoûte. Bon. On va déplacer ça. On va déplacer ça. J'ai un soin. Re-sauvegarde. Tout ça pour ça. J'aurais pu m'éviter de me prendre un coup. Pour une balle, en vrai. Obligé d'utiliser des emojis au taf. C'est vrai qu'une fois que t'as pris l'habitude de parler en emote, c'est compliqué.
parler en emote, hein. On en est là. En plus, souvent, les... Attends. Les emojis... Il est passé où? Ah, il est re-là. Ok. En vrai, vous pensez que je peux le mind? Ouais, je suis pas d'accord. Ok, c'est bon. La mind. Pas vraiment, mais. Ça a marché. Ok. Maintenant. On est bien. Mais où est le dernier? Je suis en attention, donc ça va. Alors, on va réfléchir. À tête reposée. Non mais commence pas ce que ça. Tu vois bien que je peux pas faire la... Je peux rien faire contre lui là. J'utilise trop de munitions si je fais ça. Arrête. Me dis pas que je... Et si c'est pour rien avoir, je rigole hein. C'est vrai, je tue aux pompes à la base. Mais tout ça pour une plante verte. Je sais pas si c'était worse, mais c'est pas grave. C'est vrai, j'aurais pu tout à fait ne pas utiliser mes munitions de lance-greux. Mais bon. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Rien, toujours. Bon, vas-y, je vais l'utiliser quand même. Vas-y, c'est pas grave. J'ai hésité. Je me suis dit, je vais peut-être garder au cas où si on récupère de quoi faire des munitions de pompe. Bon. C'est pas grave. Maintenant, il faut quand même que je réfléchisse à l'endroit où est-ce que... on peut trouver un fusible. Je fais vraiment que des allers-retours, je suis désolée hein, mais ah, je combine directement dans le coffre. D'accord. Ah, je peux pas. On peut pas combiner directement dans le coffre, on est obligé de le prendre. Ah, c'est pas très c'est logique ça en vrai. Fusil à pompe, on est bien. Magnum, on est à peu près. Et ça fait combien? Ah, ça, on fait ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Notre inventaire ressemble presque à un truc propre. Bon. Alors. Un autre. Alors. Utiliser avec un explosif A, ça fait des bombes incendiaires. Ou avec B pour fabriquer des acides. Un explosif A pour explosive. Incendiaire, on a vu que ça marchait sur les machins là. Et ça, c'est quoi qu'on a? Explosive. Ah. J'hésite à en prendre. Ah, j'aurais pu refaire des munitions. Ouais, ouais c'est pas grave. Non, on va rester comme ça, c'est bien. Bon. Quatrième. 44e sauvegarde. Tout va parfaitement bien. Pas du tout une surconsommation de sauvegarde ici. Donc. Non, 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 mais vraiment. Par où on peut aller pour récupérer. Ça. Attends, cette porte, elle a dit ça allait où? Ici. Genre là. On n'est pas allé. Ici, on n'est pas allé, on est d'accord. Hein. Et ça se ressemble de fou. Ah, bah non. Attends.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon. Il a fait du breakdance. C'est bien, mais ça. Oh là là, hey, je reviens. Par là. Je remets ça comme ça. On dépose. Et on fait ça. Refais ça, pardon. Ok. Donc, on était par là. C'était ça? Pas du tout. C'était pas là. Non mais je suis sérieuse. Là. Quoi? Ouais, la porte. Non, comme ça. Attends. Attends. Ouais, non. Comme ça. Voilà. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Fallait que je revienne vraiment directement bien sur, sur mes pas. Littéralement. Pas approximativement, non, fallait que j'ai fait le tour pour de vrai. Et voilà, ça y est. Ok, bon. Eh. Maintenant, faut que je retrouve mon chemin. Non, j'ai pas fait le 4. J'ai pas fait le 4, j'ai fait le 2. Bah l'année dernière. Mais le 4 est totalement c'est le prochain que je ferai je pense vraiment très prochainement. Parce que j'adore les Resident Evil hein. J'avais adoré le 4. Et là le remake bah je l'ai vu en entier. Je l'ai vu en run. Je l'ai vu vraiment sous toutes les coutures vraiment. Mais ça reste un jeu que je souhaite faire totalement. Mais j'attendais un peu qu'il baisse de prix. Pourtant, hein, je sais très bien que c'est un jeu qui a une longue durée de vie. Qui vraiment mérite son prix. Hein. C'est pas le souci, hein, vraiment. Parce que même le DLC avec Ada, il est quali aussi. Pas très cher non plus. J'avoue que si s'il avait été dispo sur le Game Pass, je l'aurais sans doute fait. J'ai tenté de speedrun RE4 Remake. Ah, bah, c'est pas rien. En vrai, pas simple. Vraiment pas simple. Qu'est-ce que tu fais quoi? Ah, ils sont là, eux. Eh ouais, je vois. Pourquoi t'es pas mort alors que l'outil est mort du one shot dans la tête? Aïe aïe aïe. Arrête. Je suis bloquée là en fait. Peut-être va-t-il l'être. Ouais, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen qui débarque dans le. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Dans le Game Pass. Après, Resident Evil 2 et le 3, là, ils sont arrivés vraiment il n'y a pas longtemps. Mais on peut tout à fait espérer, totalement. Je l'avais préco le jeu, un vrai fan. Bah, je comprends. Honnêtement, je comprends. Parce que celui... Quoi? Parce que franchement, sur GameCube, ça avait été tellement bien. Je comprends totalement...
l'engouement, vraiment. Et il est vraiment cool en plus, hein. Vraiment, vraiment propre. Rapport d'activité inachevé. 26 septembre 1300. Infiltration de RC. Incident sporadique. Début de la mission. 1930. 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus. Agents tués au bout de 20 minutes. 27 septembre 1200. Test conduit à l'université. Envoi d'un groupe, dont Canidé, vers le campus. 64% d'infection et de conversion en 2 heures. Aucun survivant. 2300. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. 28 septembre. Septembre. Je me suis trompée, j'ai même pas réussi à écrire bien. À dire bien, pardon. 04:30. J'ai entraîné un groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée. Oh là là, pardon, j'arrive pas à parler. En zone confinée avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. 08:00. Fin de l'affrontement. 7 survivants. 1800. Arme biologique inconnue déployée au point D18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. 2000. J'ai repéré deux stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. 29 septembre 000. La femme JV a rencontré le peloton de MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. 04:00. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer JV et connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. 07:00. Métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV, voire vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. 30 septembre 00:30. Minuit donc, j'imagine, hein. Je pense. Plus de 17 heures se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. La transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. 4 heures. Vaccin récupéré et administré à JV par CO, un soldat du peloton de MV. JV, le peloton de MV me tue quand même. Vraiment, j'ai du mal, quand je lis MV, j'ai du mal à ne pas voir le vieux monsieur quand même. Vraiment, vraiment depuis tout à l'heure je dis MV et en fait je vois que Xavier Dang, hein. Vraiment je vois que lui, hein. J'arrive pas à... Ah, j'arrive pas, hein. Donc en fait depuis tout à l'heure j'ai envie de rigoler. Mais bref, alors j'y vais. Devrait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. Jean! Tyrell! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Quoi? Ils annuleront la frappe si. Et c'est un putain de si. On arrive à leur livrer le vaccin. Avant le lancement. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Moi. Ok. Le vaccin devrait être par là. N'empêche que je rêve d'un jour où des zombies arrivent à se manifester dans la vraie vie et tout. Un monde apocalyptique comme ça, ce serait rigolo. Je dis bien ça parce que je tiendrai 5 minutes. Hein. Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. T'es sûr que tu t'es pas fait mordre? Mon katana de la Japan Expo n'attend que ça. Ah, je suis pas du tout préparée. Moi, dans ma tête, je me dis que ouais, c'est pas grave, tant pis. Hein. Ah bah tiens. Allez, accroche-toi, on y est presque. Oh. J'attends. Et n'empêche, il est résistant parce qu'il a le temps de...
de parler quand même, alors qu'il s'est fait éventrer le pauvre. Hein. Bon. Bah voilà, on a fini le jeu. Obtenir le vaccin. Allez, plus que 20 minutes. Eh, il est pas encore 23h. Donc en vrai, ça va, on est dans les temps. Je serai en armure de chevalier. Bah en vrai, bonne strat, hein. Il n'y a pas d'endroit pour se faire mordre, c'est bien. Bon, si, t'as quand même les jointures, là, mais bon, c'est ok. J'ai un dé ou un briquet, c'est bon. Is ok. Attendez, je vois des trucs, là. Ça, on peut le virer. Jeter, je jette. Oui. Bon, bah, on va aller par là, je crois. Exactement, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, règlement intérieur du Nest 2. À tous les employés du Nest 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. J'aime bien parce qu'on crée des armes biologiques, mais on doit créer d'autres armes biologiques pour tuer les armes biologiques. On n'a pas le sentiment que genre c'est un peu l'escalade qui n'a aucun sens. Non, un peu bon. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Oh, j'avais pas vu cette plante verte. Ça tombe bien. Par contre, j'avoue, faire des voitures à la Mad Max, ça peut être que stylé, hein, par contre. Bon, je dis ça, mais au premier truc, premiers ennuis, j'abandonnerai les voitures parce que je ne sais pas faire de mécanique, mais is ok quoi. J'ai des notions très rudimentaires, on va dire. Donc bon. Alors ça c'est le moteur, ça c'est le lave-glace, ça c'est le niveau d'huile. Et c'est bon. Moi, je la sens bien, la plante verte, là. Aïe, aïe, aïe. bon, bah, c'est bien. On va aller par là. Moi, je sais pas, hein. Ça sent les ennuis, ici, hein. Ok. Il va se relever, lui, hein. Ah, eh ? Comment ça, il y a zéro flex à avoir vu que franchement c'était genre obligatoire. Il est derrière, hein. Totalement. Oh mais genre ça feinte. Elle est trop bien l'emote. Non mais il a vraiment les meilleurs emotes. Hein. Vraiment. Journal d'Isaac Grave. La paye était bonne et les avantages aussi. Le plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici à Raccoon City.
Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce lapo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer. Il faut que le monde sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et Casey. Et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Une conscience, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Attends. Ouf. En vrai, on va laisser pour l'instant comme ça. Après, bon, vaut mieux tard que jamais, c'est ça que vous allez me dire. C'est découvert une conscience professionnelle et tout. Bon, bouge pas lui. C'est un peu suspect, mais on va dire qu'on y croit. Il reste tranquille. Oh là là, si hâte d'avoir plein de munitions de magnum et jamais utiliser le magnum. Je suis un peu déçu d'ailleurs qu'il ne nous l'ait pas donné avant. Parce que c'est bien les magnums. C'est rigolo. En plus, comme dans le jeu, les têtes elles explosent. C'est trop bien. Ça peut que être trop bien. Article sur la synthèse des vaccins. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Magnum, vanille, noix de pécan, une dinguerie. Alors, est-ce que j'ai droit de confesser que je ne sais même pas quel goût ça a, le truc de noix de pécan? Je ne sais pas. J'ai jamais mangé un seul truc à la noix de pécan. Par contre, je crois que les ennemis sont en train de se relever derrière moi alors que je suis en train de parler de ça. Bref. Docteur Nathaniel Bard. Ah ! Ok. On se souvient, c'est celui qui s'est tiré une balle dans la tête, là. Chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. En traitant cette base de vaccin avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigène et d'adjuvant montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Magnum fraîche chocolat blanc. Aïe aïe aïe, pourquoi vous parlez de glace? Dit celle qui, en début de stream, dit toujours « Attendez, je finis de manger ma glace ». Pourquoi vous parlez de glace? Je comprends pas. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah tiens. Clé de déverrouillage retirée. Ok. Clé USB. Ok. Très bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même des carabistouilles en bas. Ça aurait été forcément bien plus réaliste, c'est un bien meilleur jeu si effectivement on la voyait galérer à l'utiliser. Ça va jamais marcher. Hein. Et si, first try, elle est trop forte. Jill est juste trop forte en fait. C'est juste ça. Ah ouais, toi tu sors de nulle part. Ah, je l'entendais bien lui, hein. Ah, mais ils sont deux.
Oh, arrête de vouloir m'accrocher les pieds, toi. Attends. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc ou pas à choper ici. Ah, il y a peut-être des trucs, non? Je sais pas. Dans le doute. Pas ouf le pompe, hein. On est d'accord. Hein. Sachez que c'est toujours ce que je pense quand j'en joue un. Il y avait... Oh, il y a des plantes vertes! Il y a une plante verte! Ah, j'aurais dû y aller. Bon. Tant pis, hein. Pensez que si, genre, je les feinte, là, comme ça... Ah ben, en fait, je les feinte pas vraiment. Ah si, c'est bon. Il y a la cinématique, elle va me sauver. Toujours utiliser les cinématiques pour ça. Pour skip des trucs. De l'antigène. Et... Ah, t'as fermé la porte. Ah bah ça s'est relevé ici. Ah ouais, mais t'as pas trop bien fermé la porte en fait. La porte était pas si bien fermée. Oh là là. Oh ça va hein. Vous avez vu comment elle bouge le pied? Mais c'était la tête que je visais. Oh là là, mais hé. Toujours plus, non? Vas-y, je vais ouvrir la porte là. Hein. Je vais prendre ça. Et puis... Ciao. Ah, bah ciao, mais en fait... ciao. Non, j'ai demandé ça par contre. Voilà. Ah, c'est toujours que deux. Oh, c'est pas grave. Par contre, c'est pas une vraie... Ah, c'est une vraie fausse porte, en fait. C'est ça, hein, ça s'ouvre pas. Faut que je reparte. Je dois faire quoi, là? Faut partir, hein. C'est bon. En vrai, je les ai bien arnaqués, là. Voilà. J'ai pas vu le film The Descent. Tu parles de ceux qui tankent les balles de fusil à pompe dans la tête, là? Eh ben, franchement, ils sont pas très friendly, hein. Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi des cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens les Pale Heads. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas été encore déterminée. La vitesse à laquelle ces Pale Heads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, hypothétiquement, évidemment, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance capables de maîtriser les Pale Heads soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable de l'expédition et de traitement. Tu le lis d'un air enjoué. Bah ouais. Je pense que c'était exactement le message qu'elle voulait donner. Tu vois, genre c'était le ton qu'elle voulait mettre dans son message. Ce côté... un peu chaloupé. Oui, chaloupé, pour parler d'un ton. Personne ne le dit. Peut-être parce que ça n'existe pas. Elle m'attrape même pas le pied. Voilà. Ah, attendez, on n'a pas lu ça. Avis d'expédition. Un ton chaloupé. Cargaison, Némésis. Ah bah tiens, ça nous dit quelque chose ça. Itinéraire d'expédition. Charles de Gaulle, JFK, RC, Raccoon City. Mais pourquoi j'ai mis du temps à comprendre et d'où ça, pourquoi ça vient de France?
Bref. Si ça se trouve, c'est pas Charles de Gaulle, hein, mais ça me semble vachement quand même. Alors, note complémentaire. Tout transit au sein des États-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage. Des chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait objet d'une batterie de tests et sa puissance est hors du commun. Aussi, nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence lors de son utilisation. Chef de projet, Dr. Hermann Frankel. Enfin, je sais pas comment ça se prononce parce que... Il y a un L. Et j'avoue, j'étais pas prête à le lire en fait. Alors, examiner. Non, ça. Voilà, hop. Il y a beaucoup trop de plantes vertes. On est sûr, hein? On est sûr. En fait, je voulais voir si on pouvait passer sous le rideau de fer, mais je me suis dit que c'était débile. Ça se prononce Alain. Ça se prononce totalement Alain. Non, mais par contre, je... T'essayes de me dire un truc, là. Ça a mis la... Oui, j'ai mis la police Dark pour écrire Bloodborne. Ouais. Je me suis dit, voilà, fallait. Est-ce que je fais... des munitions pour... je sais pas. Attendez, comment... Qu'est-ce que ça fait si ça... Ah... Ah... Là, on est en train de me poser une question. J'ai plus que 10 munitions de fusil à pompe. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je refasse un petit peu de munitions pour le fusil, et ça me fait beaucoup de mal de lire, ou espérer potentiellement un jour peut-être trouver une deuxième pour faire des munitions de Magnum. Il y a une partie de moi qui me dit que je devrais faire des fusils à pompe. Je suis... Je suis paumée parce que je sais pas trop. Soit je fais des munitions de pistolet. Soit je fais... je sais pas. En même temps, je me dis si je le prends pas, je vais le regretter. Genre, je vais le regretter. Parce que là, je suis vraiment blindée en ça. Hein. Ah, je sais pas. Donnez-moi un autre truc pour faire du Magnum, s'il vous plaît, en fait. SVP. Ça doit être l'alimentation. Oh, et où, hein? Il est pas mal, hein, ce petit gun, quand même. Hein. C'est quoi? Mais j'ai plus de place, on a dit. Je... Et en plus, je suis pas mourante. Non. Ça tombe mal. Attendez, je sais pas. Ouais, j'imagine qu'il faut que... Ça, y a pas? Non. Ah, maintenir, pardon. J'ai pas lu. Ouais, je sais, j'ai trop d'armes différentes sur moi. C'est un délire. Mais... On a vu la dernière fois, quand même, que le Némésis, là, parce qu'on sait tous très bien que je vais devoir encore le taper, il m'a demandé énormément de munitions la dernière fois. J'avoue, j'ai vraiment beaucoup de soins, quand même.
J'avoue, j'ai toutes les armes que tu chopes dans le jeu, je les ai sur moi, quoi. C'est un truc que normalement tu ne fais pas. Je suis assez d'accord. J'ai un inventaire beaucoup trop plein. Mais ça, genre, le lance-greux. Ouais, mais avant un boss, il y a une save room. Ouais, mais ça, on sait pas. Si je sais qu'en plus, c'est toujours pareil, mais il y a une partie de moi qui me dit que. C'est jamais été. Ça semble. Non, mais il n'y a plus de place, on a dit. Non, mais là, le jeu. Arrête de me donner des trucs comme ça. Ouais, en plus, c'est vraiment loin le dernier truc. Ouais, bah tant pis. Je vais le regretter, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Non mais le jeu. Dégagez. Oh ouais, bah ouais, mais j'étais en train de faire autre chose là. Je regardais le chat. Non mais ouais, mais là voilà. Bon bah voilà, je vais mourir comme ça. Hein. Et la sauvegarde, tu sais plus où on est. On est loin de ouf. On est loin de ouf, comme je dis. Alors. Hop. Loin de ouf. Notez-le bien. Il est très gentil, le jeu. Merci. Ouais, bah là, il y a toutes mes munitions qui sont parties, hein. Dégagez ! Oh non, non, on avait dit dégager, hein. Oh, j'ai faim, hein. J'ai pas ton temps. Alors. Oh non, mais j'ai couru pas dedans. Un peu. Initialement, c'était pas ça. Hein. Bon. Pas très rentable tout ça. Ouais. J'ai plus de place. Vas-y. Ça, hein. Ouais, j'avoue, le pompe là, il l'a mis bien. Mais le jeu, arrête. Parce que là, j'ai fait un petit strike. J'ai attendu que les deux ils se mettent et je me suis dit, vas-y, on va tirer dans le tas. Mais juste pour. En fait, c'était juste une technique de rat pour utiliser qu'une seule munition. Hein. Ça a aucune autre utilité que. Économiser des balles. Hein. Lettre d'inquiétude. Cher docteur Alain, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis. Une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe. Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre.
moyennant un financement et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites ? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme le Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T. Et penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici, en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr. Nathaniel Bard. Vous sentez un peu genre le... Hein ? Le ton sucré-salé, là ? En mode... Waouh, incroyable, hein, très 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 beau projet. Hein. Par contre, vous nous mettez dans la merde. Ah, je te déteste. Et en plus de ça, franchement, tu fais pas preuve de... C'est vraiment genre... c'est du je t'aime moi non plus, là, clairement. Ah, c'est bien ce que t'as fait. Maintenant, j'ai envie juste t'éclater parce que tu nous as mis dans la merde. Et maintenant, nous, on doit tout gérer. Mais bravo. Ah bah pour avoir des idées. Ah, bien. Comme ça. Vraiment. Je vous applaudis, hein. C'est quoi? Vas-y. Alors oui, le sud. On se doute bien. En fait, finalement, Skunks, on s'en doutait pas, mais finalement, il connaît une société... qui ferait pas lire de jalousie Umbrella en fait. par contre, on rigole, mais est-ce que on ferait pas ça? Attendez. Attendez, je revérifie. Ça, c'est des explos. Et ça, pour faire des explos, faut faire quoi? Ah. Attends, quoi? Et ça, c'est quoi? C'est des baies. Ah ouais, mais je peux pas, genre... Attendez, j'en ai deux. L'autre en bas, je crois. C'était du jaune. Bon, ça va me prendre de la place. Mais bon, ça me fera des munitions. De lance-greux. Et là, ça va être des jaunes et on rigole. Ah ouais, mais c'était pas prévu ça. Ah, c'était pas ce que je voulais faire du coup. Attendez, comment on change déjà? Attendez, comment on change les munitions? Non. Attends. Aïe, 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 laissez-moi. Chercher. Oh bah, hey, il m'a enchaîné. Je peux pas, hein. Ah, hé. Hey. Ouais, mais non. Alors, on peut remonter ? Ouais, c'est pas ouf, hein, je... Oh, attendez. Ok. Hé hé.
que je lis. Par contre, j'ai vraiment plus de balles de pompe là, comme ça. C'est pour de vrai. Oh là là, je suis en train de... J'hésite fort. Hein. Oh là là, eh. Ah, attends, c'est quoi? Ah, oh, bah nice. Vous avez vu? J'ai plus de place, hein. Mm-hmm. Bon bah tant pis, hein. Vous pensez que je peux faire ça ou pas? Attends, ça? Oh, j'ai pas réussi. Donc, spoiler alerte. Non, j'ai pas réussi. C'était possible, mais je n'ai pas réussi. c'est par où la sortie? C'est vraiment par là? Je sais même pas où je dois aller en fait. Ils me disent quoi? Trouver le... Bah, c'est ce que j'ai fait, non? Et du coup? Et du coup? Ah bah, Pomélis... Pomélis fort, là, hein? Ah, faut que je le... Ok. Si, faut que j'aille ici, je crois. Mais comment on y va? Comment on y va? Ah, c'est cool, ça j'ai retrouvé, mais du coup... C'est ici que je dois aller, j'imagine, non? Attends, non, c'est là, je suis débile. C'est ici, hein. Équipement pour vaccin, c'est écrit, hein. C'est écrit juste sur le map. Sur le map? Sur le map. Ouais, mais on y va comment? Faut que je prenne un... Ah, je me suis trompée d'escalier? Est-ce que je me serais trompée d'escalier? Est-ce que je vous ai parlé de ma nouvelle Game Boy? As-tu une nouvelle Game Boy, Maxime? Attendez, attendez, attendez. Comment on y va, là? J'ai pas vu. Non, mais non, en fait. Mais non, 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 ça peut pas être par là. Eh bien, bonne nuit à toi aussi, Mona. Repose-toi bien. Bonne fin de soirée. Et à très vite. Merci d'être passé. Je comprends pas. Je comprends pas ma map. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est pas super, super, super évident? Parce que j'avais l'impression qu'on était sur le bon chemin. Mais là, cette porte, elle fait quoi? Elle fait rien. Or, en fait... Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à aller là? C'est à côté, carrément c'est à côté. Et pourquoi je ne trouve pas de points? Vas-y. Oh, il va jamais me laisser. Il va jamais me laisser passer. Oh! Nice. Mais là, en fait, le problème... Non, non, non. Quoi? Là? Là? Attends. Ça, c'est la sauvegarde. Attendez. Sauvegarde. Voilà. Franchement, 50 sauvegardes, on est bien. Ah! Mais attendez, ce qu'on a là? On a ça. En vrai, est-ce que... Attends. Enfin, est-ce que c'est une bonne idée? Non, en vrai, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais garder ça, tant pis. Puis bon, bah, on sait pas. On sait pas, voilà. Donc, le labo. Est-ce que c'est ça? Et ensuite, on monte ici.
Heureusement qu'on avait genre une heure tout au... Mais non, mais je suis débile ou je le fais exprès? Oh, c'est grave. Là? Ah, c'est là! Ouais, c'est grave, hein? C'est pas évident. Hein. Bon, alors. Maintenant, on fait ça. On est bon. Ah, bah voilà. Facile, en fait. Mais non, mais... Eh, c'est pas évident. Sur la map, c'est pas bien écrit. Pour démarrer la synthèse du vaccin... Désolée, mais voilà. Substance non autorisée. J'ai pas écouté. Soit je me suis trompée, soit j'ai sauté une étape. J'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. Quoi ? Substance non autorisée détectée. Quoi ? Ouais, mais c'est pareil, du coup. Donc. Ah, c'est pareil. Je fais n'importe quoi. Je vais n'importe quoi, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai rien écouté, j'ai rien regardé. Alors attendez, non mais en plus j'ai ultra soif depuis tout à l'heure. Alors attendez, je réfléchis. Bon, je sais pas, je me suis démute ou je me suis mute, je sais pas, bref. Pas comme si je connaissais mes raccourcis. Bref. Alors. Attends. Attendez. C'est le moment où là on se rend compte que j'avais bien... Alors. Attendez, attendez. Mais ça veut dire quoi? Attendez! Non mais on me ment aussi. Attendez, attendez. Donc, rendez-vous à 23h. Hein. Une énigme? Peut-être bien. Hein. Attends, j'ai pas écouté. Ah, j'étais presque sûre d'avoir compris, mais non. C'est bon. C'est un scandale. Non, c'est pas un scandale, j'ai compris. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Comment ça, le pif? Comment ça, le pif? Non, 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 je suis pas d'accord. Je trouve que quand même, ça juge très très fort mes capacités à faire des énigmes de ce genre-là. La dernière fois, je reconnais, sur le RE2, j'ai piffé de ouf. Non, parce que là, vraiment, RE2, c'était un scandale. Vraiment, c'était une vraie arnaque. Vraiment, parce que je l'ai fait en deux coups. Vraiment, le truc, je l'ai fait, j'ai fait hop, 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 et ça a marché. Franchement, first try. Là, j'ai compris. C'est différent. Non, l'autre fois, j'ai arnaqué totalement. C'était tout à fait vrai. Non, là, franchement, c'était... voilà. L'imbloquable à la relevée de Camélie, c'est ça. Le jeu ne comprend pas comment. Et il donne le remède, exactement. Mais il y avait aussi un petit peu de mind game, tu vois, de ma part. Tu vois, je... Mon cerveau, il a fonctionné à plein régime. C'est quand même fou que vous criez à l'arnaque alors que vous pourriez être fier de moi pour une fois. Réussir une énigme facilement.
peu triste quand même, hein. Merci Dardis. Dardis est le seul à avoir dit GG quand même. Donc merci à toi. Attendez, regardez pas. Ah, faut appuyer. Ah ouais. Faut appuyer, d'accord, pardon. Enfin, faut tirer. Enfin, faut. Putain. Comme ça. Franchement, quite intense ce passage-là. Je rigole, mais. J'ai pas de munitions, hein. Est-ce que ce serait pas une save room avant un boss? Tiens. Bon, c'est le moment de tout claquer. Ok. Alors. Les mines, c'est bien. Merci pour cette information. Les mines, c'est bien. Oh, pardon. Alors, plus que 20 minutes. Franchement, 20 minutes, 2h13. Franchement, à ça. Donc. Attends. Oui. On va faire des magnums, hein. On s'en fiche. Hein. Bon. Ça va me manquer à un moment donné. T'as quoi, là? Hey! Attendez, est-ce que... Tu viens de te débarrasser des grenades? Du lance-greux? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Non, je regarde. Je regarde ce que j'enlève. Non, parce que truc d'acide, je sais pas si c'est bien. Parce que j'ai des mines. Attendez. Bon. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. On va déplacer. Ça sert à rien que ça me prenne de la place. On va faire les trucs de magnum. Je le regrettais, hein, mais c'est pas grave. J'aurais dû sauvegarder avant. C'est pas grave. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on regarde ce qu'on peut faire en termes de ça. Ah, incendiaire. On a quoi sur nous? Incendiaire, on est au max. En fait, il faudrait qu'on arrive à faire des mines, sauf qu'on peut pas en faire. Donc c'est cool. On est bien. Trop bien. Par contre, on va faire ça. Je sais pas quoi d'autre. Il y a une partie de moi qui me dit que je vais sans doute trouver des munitions, d'autres trucs. Attendez. Je fais ça. Déjà. Ok. Ça c'est quoi? C'est un spray. En vrai, il y a une partie de moi qui me dit non mais on n'a pas besoin de soins. On en a déjà un. Et puis après, je me rappelle que c'est moi qui joue. Et là, je me dis, peut-être qu'on aura besoin de deux. Peut-être. Après, est-ce qu'on serait pas sur un jeu? Qui me donne des munitions là où je vais me taper. Je sais pas. Dans le doute. Pas de problème, Yuka. C'est gentil. Et bien, bon film à toi, Maxime. Bon film. Bien que j'ai pas piffé mon énigme. Bon, je vais le regretter, mais c'est pas grave. Au pire, on reviendra. Est-ce qu'on est ready?
C'est bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est bon, je viens de passer global offensive là. C'est bon. Pardon. Alors, y a pas un truc là ? Non, c'est bon. Et ben c'est parti hein. La pauvre. Oh, mais qu'avons-nous ici ? Ça tombe quand même vachement mal, hein. La ville a besoin de son vaccin. Plus que moi. Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Parce que moi, je suis méchant. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Quoi ? Assure le spectacle et... J'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. Non, bah non. Bah, pour... J'ai pas vraiment dit oui, hein. En fait, pour dire pas du tout. J'avoue, elle prend aussi cher que Lara, effectivement. Ah bah attends, je tire à côté. Oh, je voulais faire une petite esquive stylée, mais ça a pas marché. Ah, ça a re-pas marché. Attends. Ouais, tu... Eh, franchement, tu m'envoies, voilà. Vas-y, on recommence. Non, j'ai utilisé trop de munitions nulles. Oh, c'est trop bien. Non, mais pourquoi vous avez enlevé la... Le point de vue. Pourquoi ils ont relevé la caméra au moment où il m'arrachait la tête? Vous voulez passer en mode facile, non? Mais non, mais vous avez vu, il a pris sa... On voyait ses dents et tout, on a vu le bout de notre tête et on n'a pas vu toute la scène. Ah, je suis déçue. Voilà, parce qu'on va pas tergiverser. Oh, je suis pas d'accord là. Franchement, j'esquivais dans ma tête. Hein. Évidemment, ma tête a pris, effectivement. Creeper. Parce que tu es psychopathe, non? Attends. Ah ouais, mais ça triche. Hein. Vous allez me dire, mais pourquoi tu utilises cette arme? Eh ben, je sais pas. Attends, là, j'ai carrément pris le couteau. J'avoue, c'était un peu excessif. Attends, il est où ? Gilles, c'est toi ? Carlos ! T'es vivante ! Laisse-moi te guider ! Presque ! Bonne idée ! Ouais, ouais, d'accord, mais... Attends.
envoyer des munitions, Carlos? Attention, t'as de la compagnie. Il se planque derrière le réservoir 6. Hein? Ok. Et? Ah, je peux... Derrière le numéro 6. Ouais, bah ouais, j'ai vu, mais tu veux que je fasse quoi? Je tape la tente? Non. Ah, j'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose, tu sais. Bah là, on sait, hein. Ouais, c'était sûr. Des munitions en fait, hein, au lieu de me parler, hein. Vraiment, Ah, ça sent les embrouilles. Hop là. Attends, il y a un truc là. Prends. Cours. Qu'est-ce que ça? J'ai. Il est derrière le réservoir 1. Ouais, ouais, je sais. Genre j'ai des yeux. Pardon. Ah, mais lui, ça avait pas vu par contre. Alors, je parle beaucoup. Mais bon, finalement, on voit la vérité, hein. Non. Oh, ça touche. Franchement, eh, je vous assure que... Ah ouais, mais c'est quoi? On est dans une fosse? Il y a des munitions ou pas, quelque part? Il est derrière le réservoir 3! Ah, et vous avez vu, j'avais pré-shot le truc et tout, j'ai regardé, je savais que c'était là, sans même le voir. Derrière le numéro 3! Ouais, il y avait d'autres mecs là, je crois. Par contre, c'est pas ouf parce que j'avais vraiment plus de munitions. Là un peu, non? Attendez, on rigole et tout, mais il faut peut-être que je l'équipe, lui. Ah ouais, mais ouais d'accord, mais faut pas que j'utilise mes magnums sur lui, enfin sur lui. Ah, c'est cool ça. Vraiment dire ça, moi aussi ça me dégoûte. Je dis ça en voyant des munitions de fusil à pompe. Oh, ça me touche. Oh non! C'est nul le fusil à pompe, je vous l'ai dit, c'était nul. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai loupé la fenêtre. J'avais fait une esquive parfaite. Non mais arrête aussi. Aïe aïe aïe. C'est dommage hein. Ah oh ouais, mais c'est infini ce combat. Il y a un truc que je comprends pas. Il tank fort en fait. À tout refaire, c'est long. Pourtant, j'avais fait des belles esquives et tout, j'étais pas un peu fière. Tant pis. Quoi? Ah ouais, là, il m'a one try, là, carrément. Ah ouais, d'accord.
Vas-y, meurs, hein. Vas-y, je vais mourir, ça sert à rien, j'ai pris trop cher pour rien. Pas si cher que ça finalement, parce que je meurs pas très très vite quand même. Bon. C'est pas ouf cette histoire. Je suis sûre qu'en plus on était pas loin de l'avoir tué avant. Au travail d'avant. Bon. C'est toi, Carlos. Ok. J'avoue, j'ai pas fait d'effort, j'ai tout tiré dans le bide. Trop nul. Arrête. Pas trop hein, mais ouais. Le 2 c'est là hein. Derrière le numéro 2. Ok. Ah, j'ai appuyé. Au moment où il me tombait dessus, j'appuyais. Bah oui, et puis la caméra qui tombe à ce moment-là, quoi. C'est vrai? Mais hé, je vous assure, là. Oh, pourquoi l'image était en 2 FPS, par contre, derrière, là? Pas, hein. Je comprends pas comment il tanque autant. J'avoue que sur la fin j'aurais dû avoir le magnum, j'aurais dû rechanger. Okay.
Jill, c'est toi ? Carlos ! J'ai pas pu récupérer les munitions. Ok. Surtout, ne cours pas vite. Pour être sûr. Attention, ça de la compagnie ! Il l'a écrasé. Est-ce que... Non, on a encore des munitions comme ça. Il est derrière le réservoir 4. Numéro 4. Ok. J'aurais préféré qu'il essaie de taper ses potes. Oh non, oh, je peux pas me permettre de faire ça. Chaque munition étant importante, ça dégoûte. Il est même pas caché la botte hein. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, non, j'ai encore plein de mini... Enfin, j'ai encore plein. Pas parce que les petits si je tire pas dans la tête ça sert à rien. C'est. Ok, c'est bon, c'est ça. Jill,
convoie la grue. Accroche-toi à elle. Je pensais qu'il allait avoir un truc à viser en particulier sur la fin. Nice. Allez, monte. Non, je vais rester là. Je sens qu'on est bien. C'est cosy. Merci pour le GG. Alors Carlos te prévenait pas de sa position pour rien. Au début de la P2, des blocs s'électrisaient pour te montrer justement pour ça que ça a été un peu plus long. J'ai essayé de tirer dessus, mais ça n'a rien fait. Donc à partir du moment où j'ai vu que ça faisait rien, j'ai dit que bah ça servait à rien. Il faut que je récupère le vaccin. Mais effectivement, ça a du sens. Ouais, non, c'est plutôt ça que je vais faire. Après, pour moi, comme c'était... Je trouvais pas le... Le truc à faire, donc j'ai pas persévéré, tu vois. Me suis dit, on va juste simplement... Truc que j'ai appris aussi, après avoir fait le combat. Il court sur les murs et on peut le balancer des mines pour le faire tomber. Mais j'avais jamais trouvé. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais que 3 mines, vraiment. Je les ai utilisées en dernier recours. Après avoir vu que l'acide sur lui, ça marchait pas du tout. Mais effectivement... Bah en fait là, avant la P2, j'avais essayé de tirer dessus et puis bah ça avait rien fait, donc bon, je me suis dit bon bah let's go hein. Après c'est vrai que du coup c'est très très long. Là c'était atrocement long quand même, il tank très fort hein. Il tank très fort sans ça. Ah, ok, ouais ça aurait du sens effectivement. Ça aurait du sens. On le saura pour jamais en fait. ça me fait une belle jambe maintenant, mais y a moyen effectivement. Ça aurait du sens. Parce que justement, c'est leur côté. C'est leur chair qui a l'air d'être totalement invincible en fait. Donc, ouais, si tu la brûles à l'acide, peut-être bien effectivement. Mais bon. C'est pas grave, sinon on peut soit mettre des balles de pompe dans la tête, soit les esquiver, hein. Ça marche aussi. Spécification d'une arme. Nom du projet, ferromagnétique, pardon. Infratrius, c'est mieux. Next Generation Railgun. Canon ferromagnétique d'infanterie de nouvelle génération. Yes. Nom de code, Finger. Yes. Ok. Objectif du projet, Next Generation. Suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle. L'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des élites utilisateurs. Cette arme est dingue. Genre, vous avez des Google avis ou quoi? Un tyran dépasse les bornes? Un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation, pardon, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? Vraiment, c'est presque les avis... Amazon, Google, hein. 5 étoiles. Je vais combiner ça avec ça. Combiner ça. Et puis bon, bah, on va bien voir ce que ça donne. Je pense qu'on est bien. Le B et le A, ça fait quoi déjà?
Ouais, ça fait des trucs nuls. Très bien. C'était pour être sûr. Oh, 51 sauvegardes. On est sur quel genre de niveau de non-skill là quand même. On ne sait pas. Cette zone me semble beaucoup trop vaste et beaucoup trop calme. Ah bah tiens, pourquoi elle a pas mon magnum dans sa main dans la cinématique? Pas très bien. Non. Tu fautes l'or. Et j'aime ça. Quoi? Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Quoi? Allez, jette ton flingue. Pas envie. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi horrible? Oh non! Détonner là-dessus pourrait valoir des millions. Mais... Ah... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Non, mais on et en avait vie, assez, là. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance. Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi, alors? Écoute, on a plus le temps, là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Ah ouais? Et avec quelle arme? Avec ça, hein? Ouverture du compartiment. Voilà, donne. Ça doit faire. À peine exagéré. Jamais elle se dit que genre... Ah. C'est pas très bien ça. Merde, faut le recharger. Franchement. Est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse? J'ai des doutes. Deux sources d'alimentation à activer. Quoique, en vrai, ça a l'air de marcher. Une source d'alimentation à activer. Oh, c'est si loin. Vas-y! Je te mettrai à terre autant de fois qu'il le faudra! Bon, genre, t'as deux doigts de réussir là. Alors, c'est pas ce que j'avais en tête à la base. Je me suis trompée dans mon choix d'arme. Oh non, je tire à côté en plus. Alors attends, il en reste une là. Mais aussi, oh, ces phrases, pardon, mais vraiment, allez, on reste amis, mais
Aïe aïe aïe. Vraiment ça. Ça me tue. Par contre quoi, c'est pas par là? Ah pardon, j'y allais tranquillement, mais c'est pas par là. Ah, ça semblait vachement une sortie pourtant. Attends, ah c'est là. Si si, c'est là hein. Pardon. Je suis vraiment tunnel vision. C'est grave. C'est pas Doom, hein. Ouais, j'avoue. Ah cher, on est pressé, mais on sait jamais, il y a peut-être des munitions. On est pressé, mais il y a bon. Ça va. Parce que Nikolai, bon. Après, c'est juste un être humain, normalement, une balle dans la tête, ça suffit. Hein. C'est pas trop bien mon magnum là. Comment on est trop stylé avec. Ah, ça sent les embrouilles, non? Oh non! Carlos! Pardon. Oh! Il m'arrêtera pas! Je t'ai promis ça, pas vrai? Oh non! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réparer Umbrella en miettes. Tu vois? Travaille pas avec Umbrella. Le missile est parti. Et je dois décoller. Mais quel... Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Oh, Carlos, en fait, il n'était pas mort. Incroyable. Ouais, tiens-lui dessus. Jill. Vas-y, tire. Pourquoi mon... pourquoi mes textures? Pourquoi mes textures elles sont en mode c'est des pixels? On n'a pas le choix. Allez tire. Je lui ai la tête. Carlos, je l'ai pas tiré dessus. Je t'avais dit qu'on se débarrassait. Non non non, c'était la tête hein. Pourquoi t'as tiré sur Carlos? Lui, on va le laisser là. On lui pète la jambe. Et comme ça, on le laisse là. Très spécifique. Les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Non, casse-lui la jambe et laisse-le mourir. Imbécile. Voilà. Imbécile. Bien joué. Si je meurs, tu sauras jamais la vérité. J'ai rien contre une petite enquête. Là, il réfléchit, là. Là, tu sens qu'il... Il a réfléchi à tout le sens de sa vie. Jill, tout va bien? Me voilà. Camion. Effectivement, je l'avais oublié.
Enfin terminé. On l'a prévenu, c'est vrai. On a persévéré, hein, en plus, hein. Adieu, Raccoon. Mais il a vraiment la pas écouté. La sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Bah, en vrai, il était cool, c'était sympa. Hein. C'était une petite aventure tout à fait cool. Alors effectivement, un petit peu plus, ouais, alors pas si court que ça. Effectivement, on a fait quoi? On a fait, oh pardon, il y a deux musiques. On a fait 3h30, 4h, plus 3h là. Ouais, j'avoue, pas si court que ça, mais on n'est pas sur les 20h de RE4, quoi. Tout à fait guilleret. Non, mais trop bien. Non, mais en vrai, c'était cool. En vrai, c'était rigolo. Mais c'est vrai que... bah, comme, effectivement, ça se passe en parallèle du 2 et tout ça... Et merci beaucoup pour le GG, Aclo. Je sais pas si t'étais là pour le combat contre Nemesis et tout à la fin, mais en tout cas, merci pour le GG. J'espère que tu vas bien. C'est bien de le faire quand même en complément du 2. Non mais totalement, hein. Non, je regarde pas le combat Nemesis, j'ai trop de la peine pour lui. Aïe, aïe, aïe. Eh, en vrai, il a bien tanké, hein. Donc, voilà. Bon, par contre, sur vraiment la dernière phase, il s'est pas fait respecter. Hein. Ah, il s'est pas fait respecter. Avec le fusil électrique, là. Comment ça va? Bah, ça va tranquille, ça va tranquille. On finissait ça, on est bien content là. Bon, par contre, je ne sais pas ce qu'on va faire vendredi avant le début de Bloodborne samedi là, mais en tout cas, au moins RE3, voilà. Effectivement, c'est peut-être pas forcément le plus dingue de la série, mais franchement, il est cool. J'hésite vraiment à me faire RE4 justement. Oh, mais fais-le, hein. Alors je sais, on a déjà eu cette conversation parce qu'on était d'accord pour dire que on voulait trop le faire et que c'était le prix encore qui était un petit peu élevé, même si franchement voilà, il vaut son prix, mais c'est toujours un peu tu penseras à retenir l'OST de Ludwig. Aïe aïe aïe, à l'aide. Mais vraiment, vraiment maintenant ça me hante, hein. Le fait que je n'ai pas réussi à remettre le nom Ludwig. Quand j'ai entendu cette musique sur ton stream là, je me suis sentie trop bête. Trop bête. Je l'ai préféré au 8. Ah ouais, non mais oui, alors clairement. Clairement, le 3 est largement meilleur que le 8. Hein. Même si. Même si concrètement. Finalement, il a la durée de vie du côté ok du 8. Tu vois ce que je veux dire? Au pire vendredi, non, Bloodborne dimanche, non, je pense pas, parce que c'était vraiment pour l'anniversaire de la chaîne, en fait. Ça tombe le 13 et le 13 c'est samedi, quoi. Donc vu que ça a été le premier jeu streamé ever sur cette chaîne, je me suis dit que bon, Bloodborne c'est sûr ça bouge pas, ça sera samedi. Mais vendredi peut-être MH, ouais. Pourquoi pas, hein, en vrai. Ça change rien de quoi.
Bah en fait non, moi je comptais faire samedi Bloodborne, dimanche MH et vendredi, je sais pas. Mais si vous voulez faire du MH, moi je suis chaud hein. Il a pas dit Bloodborne samedi, mais il a dit Bloodborne dimanche. Et dimanche c'est MH 100%, je ne bouge pas là-dessus. C'est juste ça. Mais du coup bonne nuit Exo. Oui mais il a pas dit pas samedi. Je sais. Mais du coup MH vendredi si vous êtes chaud. Mais en vrai j'y ai pensé Frozen. J'y ai pensé mais c'est un jeu qui va me durer très longtemps. Parce que c'est un jeu d'enquête et tout. Point and click trop stylé. En plus j'avais prévu un avatar spécifique pour que j'ai déjà fait. Parce que ça fait longtemps que je veux le faire. Mais le problème, c'est que c'est un jeu qui me prendrait beaucoup de temps. Ouais, c'est un jeu très, très long terme. Enfin, très long terme. Bah, c'est un jeu point and click, donc c'est à la fois long et ça demande de réfléchir, etc. Mais... Copé papy. Ouf. Non, sinon j'avais pensé à Firewatch pour vendredi. Mais après vendredi, le problème, si on glisse sur du MH le soir, on n'est pas couché avant très tard. Et pour commencer du Bloodborne le lendemain, je sais pas trop. Bah en fait le truc c'est que moi mon Game Pass il va être... la musique elle est... Elle vient de monter d'un cran, non? Mon Game Pass il va jusqu'au... 15 je crois, donc j'aurai pas le temps, parce que je peux pas le faire vu que j'ai que pris 14 jours parce que je suis un rat ou parce que j'allais pas avoir trop le temps de jouer, mais on sait pas trop, c'est un mélange des deux je crois. Tu vas faire Noise for the Wicked. J'y pensais en plus, c'est un jeu que dont on avait parlé sur Discord avec Skrinx là. Donc je crois Frozen aussi. Et ça avait l'air d'être bien. Ça avait l'air d'être très bien. Et à voir. Vraiment, je sais que toi tu veux le faire. Et je pense que je viendrai voir ce que ça donne chez toi. pour le faire. Tu vas me servir d'exemple, je vais voir. T'auras mon avis. Bah pas de soucis, bah je viendrai totalement. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas, il le fera day one. Donc, let's go sur sa chaîne quand il sera en stream dessus, du coup. Voilà, comme ça. Ça fait plaisir. Mais Early Access, ouais, je sais ce qu'on sait que c'est un truc compliqué parfois. Le Early Access. Bon, on en parlait en plus. Bah, c'était pourquoi on avait dit que... Bah, c'était Last Epoch même. Enfin, en gros, c'était le problème de certains jeux où t'as beaucoup trop de contenu. Et en fait, c'est compliqué de reset. Ah, attendez, il y a une cinématique. Pardon. Ah, bah non, il n'y avait pas de cinématique. Pardon, j'ai fait un retour... Oh, j'ai un vieux rancé. Allez, c'est pas grave, n'en parlez pas. En même temps avec 50 sauvegardes, bon, allez c'est bon, on n'en parle pas, on a dit salut. 51 sauvegardes s'il te plaît, ouais vas-y on se respecte pas ici, c'est pas grave. Voilà, c'est comme Camélie, c'est exactement. En fait c'est raccord, j'ai fait ça que pour ça finalement, que pour ça. Ou sinon une session FF, bah non, j'ai pas d'apo moi, Yuka. Mais MH, vendredi, ça va finir, on va se coucher à 4h du matin, on va avoir flou, hein. Parce que le Safi, je sais pas, vous en avez refait depuis... Oh, la musique qui va être comme ça. Ouais, Cocoon, ça avait l'air d'être cool, effectivement, Frozen. Je l'ai dans ma liste. On l'a fini dimanche. T'as bien fait de partir, pourquoi? Ça a mis du temps. Bah ouais, alors,
si je fais du Safi, je vous le dis direct, je ferai une session ouverte à tous. Genre, il n'y aura pas que nous, il y aura vraiment... Je vais faire une session pour que tout le monde vienne et qu'on fasse des groupes de 4. Que ça soit une session 16 pleine et qu'on fasse des groupes de 4. Vraiment. Et comme ça, y aura, ça ira très, 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 très vite. Parce que c'est comme la poule V. En gros, quand t'as plusieurs groupes en même temps, bah en fait, les parties qui sont cassées, elles sont pour tout le monde. Et en fait, ça va tellement plus vite. Safi, c'est un monstre de Monster Hunter. C'est la version adulte du Xenogiva. On a juste fini celui de dimanche, ouais. D'accord, d'accord. Donc en fait, c'est pour ça vendredi. Après, moi, j'aurais été bien chaud pour faire une session fin d'après-midi, tu vois. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre de pouvoir le faire. Organise un marathon Onijagra Skuluyeku. Mais je disais plus haut, de quoi ? J'ai pas lu, pardon, ouais. Mais ouais, du coup, on est au Safi, là. On l'a commencé dimanche. On a regardé un peu. Le dimanche, on fait des sessions de 3h30. Donc, c'est pas si différent que de faire le soir d'ab. Alors, oui, j'ai tout lu comme ça, mais ça voulait rien dire quand je l'ai dit, hein, mais... Le Safi, on l'a fini à 19h40, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut absolument faire une grosse session avec des gens. Mais oui, après ça peut aller très très vite si on fait une session à 16. Totalement. Et on essaiera de faire ça en session à 16. Voilà. Et on enchaînera. Good luck pour le Safi, ma CFPC, j'en suis pas loin, mais j'ai un peu la flemme. Comment ça? Après, j'avoue, j'étais étonnée de me souvenir comment on arrivait jusqu'au Safi, pour être honnête. Je m'en souvenais plus que c'était après les plusieurs quêtes liées au fief. Mais si vous voulez faire vendredi soir, on fait vendredi soir dès 20h30, 21h, vraiment. 20h, pardon. Et on fait que ça. Moi, je suis chaud. On fait ça vendredi. 20h. Mais normalement, on devrait coucher ça facilement. Je suis au début du fief, vers le Zinogre. J'ai encore des quêtes à faire, mais si tu veux... J'ai du mal à me détendre de la reprise MH. Ouais, je peux comprendre, en vrai. Je peux comprendre. Après, j'avoue, si t'es vers le Xenogre... Ouais, t'as pas... En fait, t'as juste une série de quêtes à faire avec l'amiral. Et après, t'es good. Vraiment, Après, j'avoue, tu joues solo aussi. Donc, c'est un peu plus long, effectivement. Mais de toute façon, le stream... Alors, Bloodborne, ça va être se répartir sur plusieurs streams sur 2 semaines. Genre, je commence samedi. Je fais une session genre de 14h jusqu'à, je sais pas, 20h. Ce qui est une petite session. Hein. J'aurais même pas le temps de faire quoi que ce soit, en vrai. Ensuite, le lundi, le mardi peut-être, le mercredi, toujours MK. Jeudi peut-être, vendredi sûr, samedi sûr, dimanche MH, et voilà. Après, voilà. On va pas beaucoup avancer, je pense, parce que la dernière fois que j'ai fait mon NG plus 3, c'était long. Hein. Je vous ai fait subir ça pendant trop trop longtemps. Donc après, je sais que c'est un peu chiant à regarder Bloodborne. Bah surtout que c'est pas la première fois que je vous montrerai ça, donc bon. C'est juste pour ça que je voulais faire en 2 semaines. Pas saouler trop. Parce que je sais que là en NG plus 4, ça va me taper la tête. Hein. Ils vont m'éclater, ça fait super longtemps que j'ai pas lancé un jeu qui me demande d'être efficace. Ça va être... ouais, ça va être compliqué. En plus, faut que je me souvienne tout le chemin, j'ai tout oublié.
T'as bien raison, mais un coup de pression là, Bloodborne c'est la vie. Mais Bloodborne c'est la vie, je suis d'accord. Mais je veux pas que ça soit trop redondant en fait, c'est tout. Parce que la première fois où tu le fais et que tu te casses les dents sur un mob, c'est normal. Quand ça fait je sais pas combien de parties que je fais et que je vais passer 3500 heures sur Amelia ou Gascogne. Non, Amelia ça devrait aller en vrai. Gascogne, moins sûr. Mais il y aura pas de farm de popo, ouais. Alléluia. Après, alors, c'est même pas... En fait, le fun, c'est même pas le fait de connaître le pattern. C'est juste que, justement, moi, je vais plus me souvenir des patterns. Et surtout en NG plus 4, même si je suis hard cap, je pense, je vais me faire two shot, je pense. Je pense. Pas loin. On n'est pas en NG plus 7, donc two shot peut-être pas, three shot. Three shot, je pense. Donc ça peut être très très long. Ça peut être très 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 long. Après, il y a quand même des boss que j'adore et que là, Gascogne, ça me fait énormément plaisir d'aller le revoir. Hein. Même Amelia, je l'aime bien. Il y a plein de mobs que j'aime bien dans Bloodborne, de toute façon. Je les aime tous, en fait, je crois. Même ceux que... Ah, vous connaissez mon amour de Rome, hein. Voilà. Et pas que du Rome, d'ailleurs. Hein ? Allez. Donc, c'était énorme, mais fallait que je fasse le vieux jeu de mots. Parce que bon, voilà. Allez. C'est la fatigue, tout ça, hein ? La faux, oui, elle sera totalement là dès samedi. Hop, ça dégage. T'as cherché Skunk, ça. Non, on parle bien de Rome par contre. Hein. Je vous donne rendez-vous. On est quel jour aujourd'hui ? Lundi. Demain, je sais pas. En vrai, si ça se trouve, on pourrait presque. Je sais pas. Demain, je sais pas. Mercredi. On se retrouve sur du MK, évidemment. On change pas le programme. J'ai plus d'emote. De comment ça? Pourquoi t'as plus d'emote? Tiens, voilà. Vroom, vroom, on vroom, vroom demain. comment ça... Ah, de Rome! Oh non! C'était chez qui? Elle était trop bien, cette emote de Rome. Elle était trop cute. Bref, pardon. Zeus. D'accord, oui. Toast. Pas du tout toast. Mais un truc dans ce genre-là. Bref. Oui, Rome est cool, ouais. Ouais, Rome, parfait. J'adore ce boss. Bref. Donc, mercredi MK. Vendredi. MH. Samedi, évidemment. Bloodborne et dimanche du coup je sais pas, peut-être MH ou peut-être pas du coup, enfin si dimanche MH, allez MH on va dire, voilà MK pour Mortal Kombat évidemment. aïe du coup bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi ce petit stream et puis on se retrouve mercredi ou truc bizarre, on sait pas, allez ciao.